nous sommes partis par une nuit plutôt nocturne. Nous quatre dudules, le grand Victor et l'amnésique. Nous avions collé des semelles crêpes à nos cothurnes. Il y avait les outils, la pince monseigneur, chalume oxydrique. J'étais encardé sur un boulot plutôt pépère. 3 kilos de diane, de la perlouse et puis du jonc. C'est pas si souvent que l'on dégote une bonne affaire. Ce soir, entre tous, fallait pas faire les cornichons. Ah, attention, garez-vous, ce soir on les attaque. Les bourgeois, les salauds, va bien fleur qui raque. On n'est pas sur le tas pour jouer de la fucléide. On va prendre un gros coffre et lui percer le bide. On perce. Grand Victor, grand les chignoles, toi tu ne fais pas le mariole. Tu la boucles ou bien sans ça. Au perso, l'amnésique à la courante, on va le mettre en 40, ma parole c'est bien détente, perverso. Si ces crétins continuent, je les renvoie dans la rue, avec un coup de pied dans le saverso. Chalume, on se met à rôtir, le coffre-fort il va souffrir, on va le mettre sans mourir, au perso. Nous sommes sortis avec du fric plein nos chaussettes. Ce vieux coffre-fort était bourré comme un baron. Il y avait de quoi s'offrir de la tortore et des fillettes. Mais au coin de la rue, la dudule qui s'écrie « Mais mec, on est marron !» Les poulets grouillaient comme un houdan un jour de foire. L'amnésique ému s'est mis à pleurer comme un veau. Il ne manquait plus à la basse-cour que les canards. Et voilà Laurent qui arrive avec le Figaro. C'est fini, les potos, ce soir on couche au gnouf. Plus d'osier, plus de filles et surtout plus de bouffe. Les barreaux de la cage se referment sur nous. Mais demain, pour ma part, je commence à faire un trou. Au perso, j'ai démonté mon plumard pour y prendre une petite barre. Et du matin jusqu'au soir, au perso. Dans la cellule à côté, l'amnésique en train de gratter, va bosser jusqu'à ce que ça traverse. Le grand Victor, ce vieux feignant, reste sur son pieu tout le temps, à chanter le marché de verso. Ça verse. Spécialiste du boulot, si on a un petit peu de peau, sûr qu'on sera sorti bientôt, on verse. Nous avons creusé pendant 2 ans, sauf le dimanche. Y'a rien de plus dur que cette saloperie de béton. Nous quatre dénules, on peut pas dire qu'on soit des manches. Mais j'aimerais mieux faire comme les marchands de gruyère, des trous dans les fronton. Et puis un beau jour, en limant le dernier bout de ferraille, par le trou du mur, j'ai vu sous la luire le beau blond. Frère, ça fait plaisir, un résultat quand on travaille. C'est la récompense des gars honnêtes. Et ça, c'est bon. Attention, les poteaux se forment les voiles. Tâchons bout à bout nos jolis grains de toile. C'est le moment de montrer qu'on est les rois du sport. On était bien soignés, mais on est mis dehors. On perce. Ça y est, nous voilà sauvés. Les diables sont récupérés. Et Marie vient de claquer. On perce. Ronald l'avait de les amis, car tout le jour d'aujourd'hui, il tombait une de ces pluies à verse. L'amnésique s'envole vers Niort, Dudule en Corée du Nord, et le grand Victor choisit le port d'Anvers. Quand j'aime les fleurs des champs, j'ai choisi un coin charmant, je choisirai Ispahan en verse.